écoutez à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager mes nouveaux achats avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait ultra plaisir. On va commencer par une nouveauté. J'étais bien contente de les trouver dans mon magasin. Donc du coup, j'ai pris les trois variétés. Donc ce sont des petites poudres qu'on verse à l'intérieur de nos poubelles pour absorber les mauvaises odeurs. Donc ça absorbe les mauvaises odeurs et ça attrape un peu le liquide, vous savez, qui peut s'enfuir dans les poubelles à force de les remplir. Le packaging est super intéressant, moi je les trouve super jolis parce que c'est en forme de poubelle tout simplement. Ici ça sent plutôt frais. Là on est plutôt sur des senteurs fruits des bois et là pommes vertes. C'est 500 grammes le pot, donc c'est lourd. Vous saupoudrez en bas de votre poubelle et après vous mettez le sac poubelle par-dessus. Excusez-moi, ici je pensais que c'était pomme, mais en fait c'est citronnella. Donc c'est lemon grass, c'est la citronnelle et les feuilles de citron. Donc voilà, autrement c'est bon pour le reste. Franchement, ils sont trop trop jolis. J'ai testé le bleu, j'aime bien. Si j'en retrouve, j'en reprendrai parce que j'ai peur qu'il n'y en ait plus et ça, j'en ai marre des poubelles qui puent. Donc c'est vraiment un très très bel, un très bon produit pépite pour moi. Donc pour mes enfants, j'ai aussi fait encore pas mal d'achats pour qu'ils puissent faire plein d'activités manuelles lors des vacances, là, juillet, août, qui approchent à grands pas. Donc là, pour mon fils, j'ai pris ces feutres, c'est des doubles mines. Il y en a une qui est type brush, donc plus épaisse, et l'autre plus fine. Donc il y en a 10. Ça m'a coûté 99 centimes. Ensuite, je lui ai pris des petits cahiers de coloriage. Il adore les animaux, donc là j'ai pris un peu. Son animal préféré, c'est l'éléphant. Donc là, il y a tout. Il va être bien content. Et là, c'est plutôt les animaux de la mer. Il y a 80 pages. Ça m'a coûté 68 centimes uniquement. Et ce que j'aime, c'est que ça se ferme ici. Et comme c'est un format petit, même si on fait un petit pique-nique dehors ou autre, je peux l'emmener. Si on a une sortie où il peut le prendre, même dans la voiture s'il veut, il l'a à portée de main tout simplement. Là, pareil, les petits stickers, j'aime bien. Je fais un comment s'appelle un bullet journal, le journal qui nous permet de mettre ce qu'on a envie de faire, nos idées mois par mois ou des objectifs à l'année. Donc je trouve super intéressant, je pourrais décorer en partie mon journal avec ça. Je vous donnerai d'ailleurs des petites idées en deuxième partie de ce que j'ai écrit pour juillet-août par exemple. Donc voilà, et ça m'a coûté 1,49 €. C'est-à-dire, on mange que ça à la maison, c'est pas vrai, parce que je cuisine plutôt bien, honnêtement. Mais des fois, ça sauve les repas, et quand je suis pas là, c'est la seule chose que mon mari sait faire. Donc voilà, 34 centimes, très économique. On rajoute un peu de légumes, un peu de protéines, donc des œufs, de la viande, quelle qu'elle soit, ou du poisson. Donc ça fait un repas plutôt complet, 34 centimes l'unité. Ensuite, j'ai pris ça pour mon fils, j'aime beaucoup. Il aime bien la pâte patrouille, mais même si c'est très vieux, là, il commence un peu à connaître. En tout cas, il aime bien les chiens. Donc ça, c'est plus de 3 ans. C'est un puzzle sous forme de bloc, donc il est en 3D. Il faut reconstituer les différents personnages, tout simplement. Je crois que ça m'a coûté 99 centimes, ce truc. Est-ce que je l'ai noté quelque part? Non, il a dû me coûter 1 euro. Hein. J'ai repris la boîte manquante, excusez-moi, j'en avais acheté comme ça des petites et il me manquait cette couleur. Donc j'ai pris cette couleur, je crois que j'en ai 4 au total au final. On est membre de la famille. 55 centimes, c'est de la McCurver et elle se ferme plutôt bien. Je les utilise quand on fait nos pique-niques. En produits d'entretien, j'ai acheté ces deux-là. Je les aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est pour frotter les sols, en tout cas je frotte les sols avec moi. C'est de la marque Ajax méditerranéenne, donc c'est Fraîcheur Lagoon. Ça sent le lagon tout simplement. Franchement, ça sent très bon. La maison, elle sent très bien après. Ils disent que c'est 99% d'origine naturelle et ça a le pouvoir nettoyant à 100%. Bon, moi j'ai pas spécialement de problème avec ça. C'est 1,78 € le flacon. Ça a augmenté. Je crois que je les avais achetés à 1,49 € il me semble avant. Donc ça a pris quelques centimes.
Ensuite, pareil, pour nettoyer, j'ai pris de la gamme Fabulosa, celui-ci, je connaissais déjà, le Mint, c'est celle à la menthe. Donc honnêtement, ça dégraisse pas de fou ou autre, mais ça sent très bon. Donc pour un entretien au quotidien, c'est top. Je fais toutes mes multi-surfaces, mes tables, mes meubles, voilà, le plan de travail. Et j'aime beaucoup l'odeur qui dégage. C'est 500 ml, ça coûte 1,74€, j'allais dire 78, donc moi je l'ai acheté 1,74€. Là, c'était plutôt pour la douche, mais je vous dis, je fais l'ensemble de ma maison sans problème avec. Là, on retourne aux enfants. On retourne au rayon enfant, comme je disais. J'ai acheté ces petites balles. Elles sont en mousse, trop mignonnes. Elles sont vendues par 3 avec différents imprimés. J'en ai pris 2 sets parce que je veux pas qu'ils se battent. Chacun puisse jouer tranquillement. Et je vais même le donner à mon bébé, là, qui a 9 mois. C'est conseillé aux 3 ans ou plus. Ben, je suis avec elle dans l'eau, donc voilà. Ça coûte 1,39€. Là, j'ai acheté cette petite boîte à compartiment. C'est une boîte Tupperware comme ça. Donc, il y a un couvercle un peu strié là-dedans. Ça se ferme plutôt bien. Donc, il y a 5 compartiments. Oui. 4 ici et 1 au milieu. Quand on ira faire des pique-niques, ça nous permet de mettre plusieurs choses et d'emmener moins de boîtes possibles. Donc, j'ai trouvé super sympa. 2,59€. Elle existait en différentes couleurs. Je l'ai pris en noir parce que c'est plus classe. Voilà. J'ai pris ces blocs vaisselle, n'importe quoi, des blocs WC à 2,39€, il y en a 3 à l'intérieur. J'aime bien la couleur bleue, ce que j'aime moins c'est le filet que ça laisse après. Mais bon, comme j'aime beaucoup avoir des toilettes avec de l'eau bleue, j'alterne ça et les pastilles rondes là qu'on met à l'intérieur du réservoir d'eau. Donc voilà, 2,39€ pour cet achat. Et ensuite, j'ai voulu faire plaisir à ma fille. C'est pour les vacances. J'ai tout raflé, je crois. Comme ça, elle aura différents personnages et ça lui permettra en fait d'avoir. Ça fait aussi une petite déco à la maison. Donc, c'est un kit 3D à construire. C'est fait en carton. Il y a l'animal et le petit support. Donc là, il y a le koala. C'est conseillé aux plus de 6 ans. Je ferai avec elle. Il y a 37 pièces. Et c'est cool parce que c'est numéroté, donc ça les pose, ils font leur petite activité manuelle tranquillement. Donc voilà, j'ai pris l'éléphant, mon fils va adorer l'éléphant, donc une fois qu'il sera fini, elle lui offrira, je pense. C'est 68 centimes l'unité. J'ai pris le lion, franchement il est trop chou. Regardez, il a l'air trop fier, j'aime beaucoup. Ensuite, le petit flamant rose, aussi très mignon comme ça. Le nombre de pièces varie en fonction de l'animal représenté. Parce que ici, par exemple, le flamant rose, il y en a 25. C'est un petit DIY à faire. Unicorn, donc la licorne ici, très jolie. La licorne, elle n'a que 18 pièces. Ensuite, on a le panda avec sa tige de bambou. Voilà. Et on finit par la girafe. Donc voilà, je crois que c'était moins d'un euro, je vous avais dit. 68 centimes, je remets le prix ici, 68 centimes, j'en ai pris 3 et 3, 6 et 1, 7. Ça lui fera pas mal d'activités manuelles à faire pendant ses vacances, en plus des sorties extérieures que maman a prévues. Donc je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo, mais juste avant, je vous montre un petit peu le rendu du bullet journal sur mes prévisions de juillet-août, si ça peut vous donner des idées de sortie avec vos enfants, tout simplement. Alors, comme convenu, je vous laisse un petit aperçu sur mon bullet journal. Le bullet journal, il est pris... La couverture n'est pas fofolle, mais bon, elle fait plutôt nature. Je vous montre juste la feuille que j'ai prévue pendant les vacances scolaires en été avec mes enfants. Vous voyez, 2023. Si je fais pas tout, c'est pas grave. On le fera soit dans un autre une autre période de l'année ou une autre année, tout simplement. Désolée. Alors, faire des dessins avec la craie, je sais pas, faire une soirée hot dog, faire une soirée pizza, faire griller des chamallows, des pique-niques, des tours de manège, jouer à cache-cache. Bon, ça, c'est ce que je ferai avec eux. Faire un chamboule-tout, une course en sac. Ça, c'est l'idée de ma fille, tenue mère-fille, se balader à la ferme, faire du poney, assister à un concert en plein air, aller pique-niquer à la tour Eiffel, une bataille avec des ballons d'eau, je sais pas, fabriquer un éventail, faire un cadre de fleurs, se déguiser, donc faire une balade en forêt, une balade en vélo, observer les insectes,
aller au cinéma, trouver les formes de nuages, jouer à cache-cache, laver la voiture. Ça peut être des trucs banals, mais voilà, faire des brochettes de fruits. Et une fois qu'on a fini, on colorie l'intérieur de ce rond pour dire qu'on l'a fait. Donc j'en avais fait un au mois de juin. Pour vous montrer un petit peu, voilà, la liste du mois de juin, c'était celle-là. Et sur ce qu'on a fait, il y en a quelques-uns qui n'ont pas encore été faits tout simplement, mais on a mangé dehors, on a mangé une glace, on a fait un pique-nique, on a cueilli des fraises, on est parti au parc avec les enfants, on a marché. On a fait une manicure et une pédicure en rose. On a fait du thé glacé. On a fait une journée où on est resté en tongs. On a fait un barbecue. Je suis partie manger avec ma meilleure amie à l'extérieur. Ça, c'était plus pour moi, mais j'inclus mes enfants aussi dedans de temps en temps. J'ai mangé des sushis. On est parti à la piscine. On a fait des jeux d'eau. On a fait des jeux d'eau avec les pistolets pour les enfants. On a fait une tarte aux pommes et on a fait une déco spéciale été tout simplement. Donc là, nourrir les canards et tout ça, on n'a pas fait, mais je peux l'intégrer dans la liste de juillet-août sans problème. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine.